J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je voulais partager avec vous les achats que j'ai fait cet après-midi en Allemagne. Je vais me mettre dans l'autre sens pour vous montrer ce que j'ai acheté, ce sera plus facile pour moi. Et voilà, en espérant que ça vous plaise. Bon visionnage! Voilà, donc on va commencer ce petit haul entre guillemets. Allemagne, je ne vous dis pas où j'ai acheté ça parce que je pense que voilà, de toute façon, si vous n'êtes pas à la frontière, vous ne les trouverez pas. Mais majoritairement, voilà, ça vient de chez Kik. Et de chez Rofu. J'ai trouvé, donc ce qui est bien, les Allemands ne jettent pas, contrairement à nous, mais voilà, ils vendent au rabais quand il y a un petit souci. Donc là, c'est un album photo qui à la base était à 5 euros, et les attaches pour les reliures ont été cassées, donc du coup, ils l'ont mis à 1 euro. Donc du coup, soit je vais le réparer, ou soit je vais utiliser en fait le papier qui est quand même de très très bonne qualité. Hyper épais, bon, le seul petit bémol c'est qu'ils sont tous noirs, mais soit les utiliser en carte ou alors pour refaire un album, etc. Donc je le trouverai comme une utilité, mais bon, pour 1 euro, voilà, je me suis dit que j'allais pas me priver. Ensuite, j'ai pris ces bougies, voilà, c'est le seul truc qui fait pas partie du scrap en fait. Donc c'est 1,50 euro les 6, c'est selon les maxi réchauds, et en fait c'est parfum amande grillée, et je peux vous assurer que ça sent vraiment très très bon. Voilà. Ensuite, pour 49 centimes, j'ai pris ces deux petites figurines, enfin ces figurines, ces petits renards en fait en feutrine. Donc ça, sur une carte, ce sera vraiment, voilà, sur le thème de l'automne, ce sera vraiment parfait. Donc il y en a deux à l'intérieur. Je rentre mon chat. Hop. J'ai trouvé également des sticky notes. Donc un en forme de, avec des petites montgolfières et l'autre avec des petits crayons. Donc ça, pour mettre dans mon planeur, ce sera parfait aussi. Hop là. J'ai trouvé des petites... Alors, attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça, c'était 1,99€. Ce sont en fait des petits... des petites étoiles de différentes couleurs. Donc vous avez du violet, du argenté, du doré, du bleu, du rose et du blanc. Voilà, donc il y en avait 6. Voilà, il y a mon chat qui vient s'inviter. Noisette, qu'est-ce que tu fais? Tu dis bonjour? Allez, enlève-toi de là. Allez, Noisette. Bon, il y a Noisette qui vient vous faire un coucou. Ensuite, pareil, je trouvais qu'il était trop joli, donc je ne l'ai pas laissé passer. Donc c'est un stylo, en fait, tout simplement. Voilà, la base est carrée, noisette, tu vas faire tomber la caméra. Ici, vous avez des petits cœurs avec un dégradé de couleur comme un arc-en-ciel. Et vous avez des petites breloques ici en... Je sais pas si on va bien voir. En forme de, petites tortues. Donc, trop mignon, je trouvais. Donc, je l'ai pris. Ensuite, pour mes shaker cards, j'ai trouvé des petites fioles comme ça. Donc, c'était 1 euro aussi. Là, vous avez le prix ici. Des petites fioles, donc les tubes sont en verre avec des sequins, donc des roses, des blancs et des bleus, donc voilà, comme ceci. Et j'ai pris également, donc aussi pour 1 euro, avec toujours des petits flacons en verre. Donc là, c'est des paillettes, mais un peu comme celles qu'on trouve chez Action, mais en un peu plus grosses. Donc des violettes, des roses, des blanches et des bleus qui sont un peu plus fines par contre là. Donc ça, pour mes checker cards, ce sera parfait. Ensuite, j'ai pris, donc ça c'était aussi 1 euro, des, comment on va appeler ça? Des, j'ai un trou, ça va revenir. Oh, des stickers, non pas des stickers. Des strass, voilà, des strass autocollants. Voilà, donc non, bah, vous pouvez les découper si vous voulez pas les utiliser en bande comme ça. Mais voilà, donc ça aussi c'était 1 euro. Pareil pour faire des cartes ou des albums ou peu importe. J'ai trouvé des petits napperons, donc à 59 centimes. Vous en avez 50 à l'intérieur. En fait, j'aimais bien parce que vous avez une petite rose là. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, vous avez une petite rose, donc du coup, voilà, pour 59 centimes, c'est parfait. J'ai trouvé également donc pour 1 euro des calcomanies avec des écritures, voilà.
Love, together, enjoy, happy, today, relax. Les petites flèches qu'il y a là. Des petites plumes que j'aimais bien. Voilà ici. Live, love, sparkle. Voilà. Je trouvais que c'était pas mal. Et celui-ci. Donc en plus sur les thèmes un peu, enfin les couleurs un peu d'automne. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris un paquet de fausses neiges, toujours pour les shaker cards. Bon, j'ai dû couper la vidéo parce que j'étais en train de m'étouffer en fait. Donc j'étais en train de vous dire voilà que j'avais trouvé un paquet donc de fausses neiges. Voilà. Ensuite, le style, enfin c'est pas des sequins, c'est plus des petites décorations à la base de table. Donc c'est des petits des cadeaux de Noël rouges, tout simplement. Je trouvais que le packaging était vraiment sympa. Donc évidemment, je vais garder le sapin et puis le réutiliser. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé des rubans. Pareil, toujours dans les couleurs de Noël. Donc en argenté, ici en blanc holographique. Ici, ça ressemble à une petite guirlande. Voilà, en dentelle, etc. Donc, super joli. Ensuite, j'ai trouvé des perforatrices. Donc il y en a un avec des petits rennes et l'autre, c'est un cœur. Voilà. J'ai également trouvé, donc ça pareil pour un album, pour Noël, faire des cartes, etc. Des têtes de rennes en bois. Donc il y en a un vraiment couleur bois et l'autre couleur blanc un peu patiné comme ça. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 6 à l'intérieur. Et c'était 1 euro. Voilà. Et enfin, pour terminer, des stickers argentés. Un peu reflet, enfin un peu miroir, effet miroir plutôt, avec des flocons de neige et puis des rennes. Voilà, que je trouvais vraiment sympa et qui était 1,29€. Donc le prix est ici. Voilà pour mes achats de, que j'ai fait donc aujourd'hui en Allemagne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!